Bonjour et bienvenue dans cette MG. Et pour ceux qui reconnaissent, c'est la MG4, la fameuse Mulan. Sortie fraîchement en France et en Europe d'ailleurs. Donc on peut la retrouver dans les concessionnaires aujourd'hui. Et éventuellement, vous pouvez tester par vous-même. Alors ici, j'avais déjà fait une première vidéo sur laquelle je vous présentais le véhicule. Là, c'est mon véhicule personnel, voilà, donc sur lequel je vais pouvoir me lâcher un peu plus. Donc je vais vous faire une présentation extérieure pour ceux qui connaissent pas le véhicule. Et allez, c'est parti. Nous voilà en face de la MG4. Donc cette MG4 donc a une face complètement différente de celle des autres MG qu'on a l'habitude de voir. Donc ici, elle fait beaucoup plus moderne. C'est la berline, donc concurrente directe pour la i3 et puis surtout la nouvelle Mégane et E208 par exemple, enfin quoique la E208 est un petit peu plus petite, mais bon, ce sont la concurrente directe. Donc ici au niveau de la face avant, nous avons donc les feux de jour comme vous pouvez voir qui sont allumés, donc qui font comme des espèces de sourcils. Sur les côtés ici en bas, on a les clignotants. Alors beaucoup effectivement espéraient avoir les feux de jour ici et les clignotants en même temps là-dessus. MG a préféré ça, comme ça. On a ici la caméra frontale et on a ici le radar anti-collision, etc. Donc voilà, il est ici. Là, on est sur la version luxury, donc comme vous pouvez voir, les trappes sont ouvertes. Sinon, sur la version standard, vous avez tout en bas qui est fermé. Voilà, là vous entendez certainement le moteur parce que en fait j'ai laissé le chauffage actif. Voilà, donc après, autre spécificité au niveau des roues, vous avez des enjoliveurs. Donc ici on tire dessus, voilà, donc ça nous donne ça. Je vais vous montrer avec l'arrière ce que ça donne. Voilà, donc après c'est une histoire de goût et de couleur. Au niveau des jantes alu, on a connu mieux sur les anciens modèles. Voilà, et puis en même temps, ils auraient pu fournir les espèces de bagues qui vont au milieu. C'est-à-dire cette finition-là, au milieu. Ici, on ne peut pas le récupérer parce qu'il est tout simplement collé à la jante. C'est un truc qui est collé. Ici, comme vous pouvez voir au niveau de l'enjoliveur, c'est pas de l'enjoliveur traditionnel. C'est du spécifique comme beaucoup, beaucoup de japonaises, enfin d'asiatiques même. Elles sont clipsées au niveau des branches. Voilà, donc ce qui fait que si vous voulez changer juste les enjoliveurs pour mettre autre chose, malheureusement il faudra faire attention à ça parce que vous ne pourrez pas faire mettre les enjoliveurs traditionnels sur les jantes alu. Parce qu'en fait elles ont un dessin un peu particulier ici qui fait que vous ne pourrez pas les clipser. Voilà, donc ça c'est la petite information. Sinon vous avez remarqué que c'est monté en continental en première monte. Et nous revoilà donc avec l'enjoliveur qui est positionné sur la voiture, donc ça nous donne ça. Alors après on va passer donc sur le latéral, donc comme vous pouvez voir on a les vitres arrière surteintées, voilà, d'origine hein, sur la luxury. À savoir qu'on a aussi des baguettes d'entourage des vitres si vous faites très attention, donc là-haut mais aussi en bas, vous allez voir, regardez, contrairement à la standard hein. Là, on a brillant, finition noir brillant laqué. Donc ça continue jusqu'à devant, bien sûr. Rétroviseur bien sûr assorti. Et ça vient ici à la baguette et ça remonte là-haut. Donc ça, c'est une finition qu'il y a sur la luxury. Sur la standard, malheureusement, vous avez cette partie qui est brillante. Parce que, pourquoi? Tout simplement qu'ici, c'est du plastique. C'est un plexiglas, alors pas pour que ça fasse cheap, mais tout simplement pour un gain de poids. Donc toute cette pièce là en fait elle est moulée hein, donc du coup on a l'impression que c'est des baguettes, mais au final non, c'est tout simplement le plastique qui a été moulé comme ça. Ce qui fait que sur la standard vous avez le brillant ici et ici ça part en mat,
tout simplement, parce que voilà, c'est la finition qui est comme ça sur la standard. On va dire c'est la version entrée de gamme, hein, et du coup on n'a pas la même finition. Donc voilà pour cette partie là en tout cas. Et ici nous avons la trappe de recharge, tac, juste à faire ça on a accès, on a des voyants lumineux. Donc j'ai pas encore mis à charger, donc savoir ce que ça donne, mais on a en tout cas accès à la prise. Alors ici on a un petit joint qui vient s'appuyer dessus pour éviter que l'eau rentre, mais vous voyez on a eu quand même de l'eau qui est rentrée. Et moi ce qui me semble bizarre, d'ailleurs j'ai eu un refus au contrôle technique, notamment sur une Zoé où j'avais pas le capuchon. Autant on a le capuchon en bas et il n'y a pas de problème, d'ailleurs ils ont toujours assis. Là cette fois-ci ils ont mis un système pour, regardez, tenir. C'est moi qui l'ai mal mis, hein. C'est moi qui ai mal mis, attention. Voilà, un système pour tenir. Contrairement aux autres MG, il n'y en a pas. Là, vous avez un système pour maintenir le capuchon. Donc ça, c'est très bien. Par contre, voilà, on a le capuchon pour la partie basse, mais on n'a pas de capuchon pour la partie haute. Et comme je vous disais, sur une Zoé, je me suis présenté au contrôle technique, alors que j'ai bien la trappe, comme ici. Sauf que sur la Zoé, c'est le logo losange qui fait la porte. Donc j'avais bien la porte, mais j'avais pas le truc. Et ben j'ai eu un refus au contrôle technique. Et j'étais obligé de remettre une trappe. Voilà, ça c'est juste à titre d'information. Donc je ne sais pas si MG a eu une homologation comme elle est là. Je ne sais pas. Donc j'attire juste votre attention là-dessus. Peut-être que c'est la même chose dans les autres marques. Sec Vision Light, oui, pourquoi? Parce qu'en fait, ici, nous avons un design intégré sur le haut du feu. C'est-à-dire que là, vous voyez les traits rouges, quand ils sont éclairés la nuit, quand les lumières sont allumées, voilà, c'est éclairé. Perso, je vois pas l'utilité, franchement, parce que quand on est derrière, voilà, ça donne ça. On ne voit pas l'éclairage en haut déjà. Donc je vois pas l'utilité. Ici, perso, j'aime pas trop le fait qu'il y ait un décroché ici. J'aurais préféré que ça continue tout droit. Et avoir le mini spoiler comme il y a sur la version standard. Le mini spoiler, pourquoi? Parce qu'en fait, ça évite les remous des projections d'eau, etc. au niveau de la vitre arrière. Parce que pour ceux qui auraient fait attention, au niveau de la vitre arrière ici, il n'y a pas d'essuie-glace. Voilà, donc sachant que là on est sur une version luxury, donc pour le coup c'est embêtant de ne pas avoir d'essuie-glace arrière, surtout par temps de neige ou de forte pluie par exemple. Là ça peut être un petit peu embêtant. Après, si on roule avec le véhicule, effectivement les deux béquets sont peut-être dessinés de façon à ce que l'eau soit évacuée et qu'il n'y ait pas de gêne à la visibilité du rétro intérieur. C'est possible, mais en tout cas, en l'occurrence, voilà. Moi, j'aurais préféré donc le petit spoiler ici à l'arrière, qui aurait justement limité les projections sur la lunette arrière. Au niveau du bas, donc là, on a une finition un petit peu comme les Formule 1, donc avec le feu anti-brouillard central en bas, parce que le troisième feu stop, il est intégré ici en haut. Voilà. Donc on a les radars de recul, bien sûr. La caméra 360, enfin, et notamment caméra de recul, qui est ici sous le logo, qui est pas centré. D'ailleurs, ils auraient pu l'intégrer justement dans le bandeau, d'ailleurs, hein, pour que ça fasse plus discret. Enfin, attention, hein, ce ne sont que des avis personnels, hein, en aucun cas des attaques gratuites ou autres. Hein, c'est ni plus ni moins pour éventuellement une prochaine évolution sur la phase 2, par exemple. Voilà, au niveau du bas, bon bah j'ai rien à dire, ça fait un peu Formule 1, donc ça plaît pas, ça c'est une autre chanson. Voilà, au niveau du coffre, on est sur une version Aveyrin, ce n'est plus motorisé. Et du coup, bon bah là j'ai mis un peu de bordel à moi, hein, là c'est le câble de recharge, le gilet, le triangle, deux bidons d'huile pour une voiture thermique, voilà, donc là on est sur la partie haute, parce que en fait il y a un étage, qu'on peut mettre, donc là on est au niveau du seuil, tout droit, et sinon on peut le mettre un peu plus bas, on gagne, allez, à peu près 10 cm, regardez.
pour vous donner une idée, on gagne la hauteur du filet. Voilà, je l'ai retiré, on gagne ça. Et à savoir qu'on peut gagner encore plus si on retire cette partie ici. Si on la retire, on gagne un petit coffret. Et d'ailleurs, je vous ferai une vidéo à ce sujet. Parce que pour moi, avoir la barre de remorquage, deuxième triangle, le gonfleur et tout ça, ça sert strictement à rien. Donc ça, ça va dégager ou éventuellement passer dans l'un des filets. Donc il y en a un de chaque côté, donc là et là. Donc ça peut passer éventuellement dans les filets sans problème. La boîte à ampoule qui a été fournie, ça, ça va dégager parce que ça sert strictement à rien. Voilà. Les banquettes, un tiers, deux tiers, donc fonctionnelles sans problème, très rapide à mettre en place. On a une seule ampoule arrière LED pour le coffre. Bon, dommage qu'il n'y ait pas un autre de ce côté. Là, ils ont préféré mettre un système pour mettre justement les sacs de course, par exemple, pour éviter que ça se renverse, etc. Ce qui est aussi très très bien, hein. Il n'y a pas de souci. Moi, j'aurais plus vu ce système-là, par exemple, sur les sièges ici. Par exemple, j'aurais mis 3 points, vous voyez. C'est mon avis personnel. Mais après, voilà, au niveau de l'intérieur du coffre, vous voyez, on voit même pas la carrosserie. C'est très bien fini. Franchement, voilà, moi, je valide sans problème. Voilà. Donc, pour ça, c'est pour la partie coffre. Donc, malheureusement, obligé de le fermer manuellement. Ouverture électrique, fermeture électrique. Mais, quand je dis électrique, c'est on appuie sur le bouton, ça s'ouvre, ou alors à la télécommande, hein. Vous aurez compris. Voilà, donc, le côté, voilà. Donc, après la couleur, on aime, on n'aime pas, c'est pas trop le sujet. Voilà, pour ma part, je trouve qu'il y a un petit peu trop de plastique visible sur le côté au niveau du bas. J'aurais préféré voir par exemple là ici cette partie-là encore en couleur carrosserie par exemple. Et après le reste, oui, qu'il soit ça aurait été voilà. Après attention, hein, c'est pas vilain. C'est pas vilain. Moi, ça, après, c'est que un avis personnel qui fait que voilà, c'est une préférence pour moi. Au niveau du toit, donc, il est juste peint. Il n'y a pas de toit panoramique. Alors, depuis la MG5, les versions luxury n'ont plus de toit ouvrant. Donc, c'est une option qui a été perdue, malheureusement, ce qui est dommage parce que il y en a beaucoup qui aiment le toit ouvrant. Notamment moi, et quand je gare la voiture, j'aime bien laisser entre-ouvert pour qu'il y ait une aération et pour éviter une forte chaleur en fait à l'intérieur de l'habitacle. Vous me direz, oui, on a la clim, etc. Oui, c'est vrai, mais le fait d'avoir un toit ouvrant entre-ouvert permet justement de devoir moins refroidir le véhicule. Voilà, donc maintenant on va passer à l'intérieur. Alors, on passe à la partie compartiment moteur. Allons-y. Donc ici, on a la trappe pour l'ouverture du capot. Voilà, on tire. Donc, il est entre-ouvert. Et logiquement, on a un petit loquet. C'est vraiment comme les anciennes voitures thermiques. On a un loquet d'ouverture et on n'a plus de vérin. Donc là, ici, la petite barrette pour le maintenir. Je vais la mettre. Voilà, donc j'ai mise pour maintenir le capot. Donc peut-être pour un gain de poids, donc ils n'ont pas mis les vérins ou le vérin. Pas besoin d'avoir la moquette acoustique pour le son. Parce que là, vous entendez, c'est la pompe à chaleur hein, qui tourne. Voilà, ça donne ça. Vous avez ici les bocaux de liquide de refroidissement, liquide lave-glace. Pour l'avant uniquement, puisque à l'arrière il n'y a pas d'essuie-glace, hein, je vous le rappelle. Ici, d'ailleurs je vous montrerai pourquoi il n'y a pas d'essuie-glace à l'arrière. Voilà, et ici le bocal de liquide de frein. Ça reste toujours hydraulique. Là, vous avez la batterie principale qui permet la batterie de traction se mettre en route. Donc, et par habitude, essayez de voir, d'avoir toujours avec vous une clé de 10, voilà, pour, si jamais vous avez un bug, que la voiture elle ne veut plus démarrer, de tout simplement
débranchez une cosse de la batterie pendant 5 minutes et vous la remettez. Et très souvent, votre voiture, elle repart et elle refonctionne normalement comme si rien ne s'était passé. Voilà, après pour le reste, vous avez accès à rien. Donc on est obligé de se faufiler comme ça. On voit que des tuyaux, on aperçoit la crémaillère de direction, les tuyaux de clim, ici d'ailleurs pour la recharge. Voilà, à l'arrière on voit rien. Donc ici ça c'est le bloc ventilation chauffage. Bloc fusible ici. Donc on appuie des deux côtés. Vous voyez, là on a énormément de fusibles. Voilà, normalement c'est une partie que vous n'aurez pas accès. Et, enfin vous n'avez pas besoin d'y avoir accès. Voilà. Et puis de ce côté, qu'est-ce qu'on voit? Ah si, on a accès, on voit le moteur. Non, 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 c'est aussi moteur de la direction pour la partie direction assistée. C'est une direction électrique. Non, j'arrive pas à vous faire une mise au point dessus. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que cette partie-là, elle n'ait pas été travaillée de manière à avoir un coffre à l'avant. Ce qui est vraiment dommage. D'ailleurs, je vais essayer de faire une expérience, savoir si on peut mettre le câble de recharge à l'avant. Regardez. Donc, il m'a été livré cette sacoche avec le câble T2 pour les recharges. Et donc, il aurait été intéressant que ça, voilà, ça puisse être, par exemple, comme ça. Vous voyez, c'est juste posé. Et savoir si on peut effectivement fermer le coffre. Parce que pourquoi? Parce que ici, en fait, on a un renfoncement au niveau du capot. Et si on fait attention, il est fort possible que, en fait, l'espace est suffisant pour qu'il puisse passer. Parce que là, de toute manière, cette sacoche-là, elle ne pourra ni sortir d'un côté, ni de l'autre, ni à l'avant. Si c'est bien fermé, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Et là, justement, je vais tenter. Bougez pas. Donc il a fallu que j'enlève la barrette de maintien, c'est pour ça que j'avais fait une petite pause, et là je reprends. Eh ben écoutez, ça marche. Comme quoi, j'ai libéré de la place dans le coffre. Et on peut mettre donc le câble de recharge là, donc avec la valisette devant. Voilà, donc ça, eh ben petite astuce. Et en direct, vous voyez, le coffre là-bas, il est ouvert, et ça donne ça. Donc ça fait une voiture avec des oreilles. Bon, on va, parce que je regarde vraiment bien, savoir si ça fait une déformation au capot, et non, il n'y a rien. Eh ben franchement, pour moi, ça va rester comme ça. Bon, je vais le récupérer, je vais le mettre à l'arrière quand même, parce que je vais essayer de mettre un scratch. Tac. Je vais essayer de mettre un scratch pour éviter qu'en fait il se balade et du coup il rayerait le plastique. Tac. Voilà. Tac. Voilà, c'est parce que je mets la barrette. Donc du coup, vous voyez, hein, ça n'a rien forcé en haut. Donc du coup, on est très bon. Et moi, je vais faire un système pour éviter qu'il glisse, parce que avec les vibrations, etc., il peut glisser. Donc, du coup, je vais faire en sorte qu'il aille devant, mais en plus qu'il soit bien fixé correctement. Voilà. Bon, allez, on va prendre le reste de la vidéo. On ferme ce capot et on fait la suite. Alors, au niveau de l'intérieur, ça se présente comme ça. C'est-à-dire que ici, vous avez donc le panneau de porte, sur lequel vous avez des inserts noirs laqués. Donc très bien, ça évite à ce que le plastique ici soit rayé, parce que malheureusement ici vous avez un plastique qui est dur et qui se raye très facilement. Au niveau en dessous, et ça pareil, c'est ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas une surpiqûre, enfin une reprise du cuir d'ici avec en même temps l'accoudoir. C'est-à-dire que là, il y aurait eu du cuir jusqu'ici. Donc toute cette partie-là, un petit peu molletonnée, ça aurait fait un petit peu plus classe.
Et voilà, là du coup il n'y a que du cuir ici au niveau de l'accoudoir sur la portière. On a les haut-parleurs ici en 16,5 cm d'une très bonne qualité. Donc il n'y a qu'un seul haut-parleur sur chaque portière à l'arrière. Il n'y a pas de tweeter d'aigu ou autre ailleurs. Alors au niveau des sièges, on notera aussi l'absence du l'accoudoir central. En général, sur les luxuries habituelles, on a un accoudoir central ici qui permet de faire un vrai 4 places et avoir des petits rangements, etc. Malheureusement, sur la luxurie donc MG4, ça a disparu. Alors, certains diront que c'est une histoire de gain de poids, etc. Oui, moi je dirais plutôt c'est pour un gain économique, c'est-à-dire que bah c'est une option en moins, du coup ça coûte un petit peu moins cher et on fait des économies là-dessus. Pareil pour la partie éclairage, c'est-à-dire que là vous voyez j'ai la porte ouverte, à part le système ici allumé, il n'y a rien d'autre. À l'arrière, regardez, il n'y a même pas les poignées de maintien pour les passagers. Si jamais le chauffeur roulait très très vite, etc., bah ils peuvent pas s'agripper. Ça, c'est dommage. Donc, vous voyez, même ici au niveau de l'arrière, il n'y a pas de lumière de courtoisie, il n'y a rien. Ça, c'est dommage. Donc, je vous disais tout à l'heure, plexiglas là, parce que ici à l'intérieur, bah, je vous le montre de l'autre côté, c'est plus pratique. Vous voyez, il n'y a pas de lumière. C'est un cache en plastique. Donc je vous le montre de ce côté, vous voyez, ça se finit comme ça. Pour transformer la voiture en break, regardez, j'appuie juste sur un bouton et je tire. Vous voyez, on a accès à l'extérieur. Et on a pratiquement un coffre plat. Vraiment, de là à là, c'est vraiment plat. Quasi plat. Il y a une légère pente, mais vraiment très très légère. Et j'ai même pas eu besoin d'enlever l'appui-tête pour le basculer. Ça aussi c'est un très très bon point, sans problème. D'ailleurs, comme c'est mon véhicule perso, vous voyez que le siège il est réglé à ma taille et il y a largement de quoi s'asseoir sans aucun problème. Alors pour remettre, il faut juste faire attention de ne pas pincer la ceinture devant la boucle. Donc vous sortez la ceinture, vous la passez ici et après vous avez juste à pousser et ça y est, c'est fermé. Voilà. Donc Isofix bien sûr, donc ça on n'a pas besoin de discuter, c'est toutes les voitures. Nouveauté, et ça franchement c'est vraiment une nouveauté, c'est que on a ici des rangements, donc pour mettre des stylos, téléphone portable, Game Boy, enfin voilà, tous les trucs à portée de main. Donc ça sur les deux, donc ça c'est bien vu. D'ailleurs ça devrait être un système qui devrait être sur toutes les MG d'ailleurs. Enfin, c'est ce que je recommande en tout cas. Puis ici, on a toujours les vide-poches donc qu'on peut servir pour mettre des livres et tout ce qu'on veut. Au niveau de l'arrière, par rapport aux autres MG, alors là, j'ai un problème de lumière. Tac, voilà. Alors, au niveau des autres MG habituels, on a habituellement deux prises USB à l'arrière. Là, maintenant, il n'y en a plus qu'une seule. Et on a un petit bac ici qu'on peut ranger. Alors, tac, la lumière, je sais pas si vous arrivez à voir. Je suis désolé de ce contre-jour. Voilà. Donc là, on a gagné un petit vide-poche, contrairement à d'autres où le vide-poche est vraiment ridicule. Là, il est un petit peu plus grand, mais on a une seule USB. Donc pour charger un téléphone portable, une console de jeu portable, des choses comme ça, ça peut être bien. Ne faites pas attention aux tapis, c'est moi qui les ai mis. Parce que les tapis, la voiture elle existe, les tapis ne sont pas encore disponibles. Mais ça va venir. Voilà, donc ça c'est pour la partie arrière. La partie avant, donc le moteur il est en route, hein, c'est ce qui est normal. Alors sur la partie avant, c'est légèrement soigné. Plus soigné en tout cas qu'à l'arrière, à croire que ces passagers arrière, ils sont pas très considérés. Ouverture, fermeture centralisée, donc c'est sur le côté conducteur uniquement. La poignée, on la retrouve, toujours le laquet. Donc le laquet, en fait, c'est une très très bonne idée. Pourquoi ? Parce que si ça aurait été sur le plastique, avec les ongles, etc., en fait,
C'est un plastique qui se raye très facilement. Regardez, il est déjà là, j'ai déjà une rayure. Là, regardez, j'ai déjà des rayures à cause des chaussures, vous voyez. Et comme c'est un plastique qui est rigide, bah du coup, bah ça y est, c'est marqué, c'est tracé et c'est fini. Mais bon, c'est pas grave, après ça reste qu'une voiture. Hein. Je préfère à la rigueur que ici ça s'abîme un petit peu que le reste de la voiture. Mais ça, on va en discuter. Donc je vous disais ici, c'est laqué. Pourquoi ? Pour les ongles, etc. Donc ça, c'est très important. Les coups de griffe, ça sera beaucoup moins visible. Les touches sont légèrement différentes de celles qu'on a l'habitude de voir. Alors, pour ceux qui ont l'œil, vous avez observé qu'il n'y a plus les réglages des rétroviseurs ici. Parce que d'habitude, c'est accompagné dans la même commande. Et en fait, là, c'est venu se déporter au niveau du volant. Donc, en bas à gauche, vous avez cette molette. Et cette molette, elle a donc le réglage comme sur les voitures traditionnelles. Hein. Gauche, droite, au milieu, ça bloque pour éviter de dérégler. Et si vous voulez replier les rétroviseurs, un coup bref vers le bas, regardez, voilà, et je remets un coup bref vers le bas pour qu'il s'ouvre, voilà, donc ça c'est nouveau, avant ça n'existait pas. Ici la trappe de devant, je vous montrerai tout à l'heure, le haut-parleur pour le buzzer, voilà, c'est-à-dire les fameux bruits que vous entendez, des alertes, etc. Je me mets à l'intérieur, donc on est sur un semi-cuir, c'est-à-dire, alors c'est pas du vrai cuir, je vous le dis tout de suite, hein, ça doit être du végétal. Donc un cuir extérieur, tissu à l'intérieur. C'est un tissu comme les versions sportives françaises, par exemple, donc soi-disant anti-tache, etc. Ouais, bon, on connaît, hein. Au niveau des sièges, donc ça correspond un petit peu comme le ZS2, comme le MG5, hein, à peu près. Je vous disais, à l'arrière, ils sont moins équipés qu'à l'avant. Pourquoi ? Parce que ici, vous voyez, là, mon doigt, il s'enfonce. Parce que là, ils ont mis un revêtement en cuir qu'il n'y a pas à l'arrière. Voilà. Et donc, du coup, ici, si on a... des vestes en jean ou des vestes qui ont des pièces métalliques, plastiques, etc., bah ça évite les rayures. De l'autre côté, vu que c'est du plastique rigide comme en haut, bah automatiquement c'est rayé. Voilà. Après, au niveau des aérateurs, donc on retrouve les plats comme sur le Marvel, donc ça fait ici toute la longueur. À savoir que habituellement sur les MG Luxury, on a une petite lumière d'ambiance qui est allumée au niveau du tableau de bord et même au niveau des portières. Malheureusement, sur cette version, elle a aussi disparu. Voilà. Et au niveau de l'éclairage, donc on a ici de la lumière traditionnelle. Les puristes mettront peut-être des LED à la place et on a l'appel SOS. Voilà. On aura gagné ici un étui porte-lunettes qu'il n'y a pas sur les autres versions. Ça aussi, c'est une nouveauté. Par contre, on a perdu au niveau des pare-soleil, l'éclairage automatique. Habituellement, c'est une espèce d'une trappe qui se lève vers le haut. Il y a une lumière de chaque côté qui éclaire. Là, c'est devenu comme les voitures françaises. C'est dommage. Ou alors, sur certaines voitures, vous avez une lumière qui est ici. Et dès que vous ouvrez, ça éclaire. Bon, ça c'est dommage, c'était bien pratique. Et on était habitué sur la version Luxury. Au niveau du rétroviseur intérieur, comme vous pouvez voir, il y a un entourage plastique. Chose qu'il n'y avait pas, par exemple, sur le Marvel, sur le EHS, par exemple. Sur certains, il y a un film, vous tirez dessus et vous avez vraiment le intégral en vert. Voilà. Donc après, au niveau de l'infodivertissement, on va répondre malheureusement au journaliste qui a fait son gogol dans sa présentation sur TF1 dans Automoto. Alors nous, j'ai pas de doigt magique, hein. J'appuie, voilà. C'est le GPS.
Il faut savoir que à chaque transition, là j'ai pas appuyé, voilà. Là, à chaque transition, en fait, il y a un temps de délai volontaire par le constructeur. C'est-à-dire que c'est pas super réactif parce que c'est une transition. Par contre, si vous allez dans un réglage, regardez, là c'est du instantané. Vous voyez ? Et là, je fais pas le gogol. Là, c'est parce que des fois, j'appuie pas assez. J'ai laissé le film protecteur d'origine. J'attends d'avoir les protections vraiment adaptées à la voiture. Donc, j'ai pas appuyé suffisamment fort. Vous avez énormément de réglages à faire. Vous voyez, c'est fluide. Ça fait pas comme l'autre qui fait gogol à appuyer n'importe comment, etc. Donc, vous voyez, j'ai pas des doigts magiques. Ça fonctionne. Voilà. Les informations en direct, vous avez toutes les informations, vous voyez, regardez, quand je clique, une fois qu'on est dans le vrai menu et quand je clique, ça fonctionne, et vous voyez, il n'y a pas de souci. C'est quand je change, par exemple là je vais mettre le téléphone, quand je change, là effectivement c'est un peu plus long parce que c'est une transition. Voilà, j'espère que j'ai été clair pour les journalistes qui critiquent, qui disent n'importe quoi. Et surtout pour le gogol de TF1 qui a fait une démonstration, mais vraiment digne d'un enfant de 2 ans. C'est la petite parenthèse. Point. On a des touches d'accès direct. Donc pour ma part, à vouloir faire comme Tesla, c'est une grosse erreur. La voiture, elle est trop épurée à mon goût. Ici, on a une trappe d'accès boîte de vitesse frein à main, c'est très bien, sachant qu'il y a de la place autour, même ici on pourrait mettre des touches d'accès rapide. Et pourquoi je vous parle de ça, parce que regardez, pour le chauffage encore ça va, on appuie ici, on a accès au chauffage, il n'y a pas de problème, on rappuie, on revient. Mais par exemple pour le régulateur de vitesse, ça se passe ici, limitateur ici aussi. Si on a programmé, bien sûr, au niveau de la tablette. On a 2 touches ici qui sont personnalisables. Celle-ci, on peut mettre... Moi, j'ai mis quoi? Je ne sais même plus ce que j'ai mis. Ah si, caméra 360. Voilà. Sur lequel, vous voyez, on peut choisir la caméra qu'on veut. Et on a une vision 360 ici. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Après, on a ici... le bouton pour réglage, donc statique et dynamique, ça c'est au niveau des traits au sol. C'est-à-dire que quand on met ça, vous avez les traits blanches qui vont bouger en fonction du volant. Et les traits rouges, jaunes et verts, par contre, elles restent. Voilà, on les a ici aussi. Donc, moi j'ai mis le 360, parce que pour moi c'est important. Notamment quand je veux me garer, etc. Pour éviter d'à chaque fois enclencher la marche arrière. Parce que quand on enclenche la marche arrière, regardez. Voilà, là, on a la caméra qui s'affiche. Et après, mais comme je suis en marche arrière, je ne peux pas activer les autres caméras. Si je veux activer les autres caméras, il faut que je mette le clignotant. Donc là, je mets à droite. Eh ben non, il veut pas. Parce que je suis en mode marche arrière. Alors, je mets maintenant marche avant. Vous voyez, la caméra, elle est désactivée. Donc, c'est pour ça que pour moi, j'ai mis ici le 360. Et là, je peux faire ce que je veux. Si je mets le clignotant, j'ai le côté du clignotant. Et ainsi de suite. Voilà. Et là, je peux sélectionner directement aussi là-dessus la caméra que je veux. Donc, voilà. Ça, c'était important. Et je pense que le 360 aurait pu avoir une touche quelque part. Même quitte à le mettre en bas, par exemple. Enfin, c'est mon avis perso, encore une fois, hein, attention. Hein. Ce n'est pas une critique, histoire de critiquer, mais c'est plus une information. Après, on a donc la commande vocale. Je ne l'ai pas utilisée, donc ne me demandez pas à quoi elle sert, j'en sais rien. Ici, c'est pour le régulateur de vitesse quand il est en fonction. Donc ici, là, il est activé, vous voyez. Auto, donc moi je l'ai mis en mode limitateur intelligent, c'est-à-dire que chaque fois qu'il va croiser un panneau, là notamment c'est limité à 30, si je croise un panneau, automatiquement la vitesse maximale va être sur la vitesse indiquée ici.
Voilà, ça c'est ce que j'ai fait. Vous avez la touche répondre et raccrocher au téléphone. Ici pour le menu qui se trouve dans cette partie ici. Donc, regardez, j'appuie. Vous avez le menu en haut qui s'est affiché. Et là, je peux naviguer. Donc là, si je vais de droite à gauche, c'est ça. Si je vais vers le bas, eh ben, on a des menus où vous voyez, on a des flèches. Ça veut dire qu'on peut naviguer vers le haut et vers le bas. Et après, ça revient à la normale. Donc ici, si on a mis une adresse GPS, vous avez les indications ici. Ça le répète, c'est pas trop mal. Voilà. Et après, on revient. Et l'entretien du véhicule, regardez, c'est tous les 24 000 km pour ceux qui savent pas. Donc tous les 24 000 km, il faut aller chez MG, vous faites la révision annuelle et vous reconduisez votre assistance MG pour un an supplémentaire. À savoir que la première année, elle est offerte, elle est gratuite, elle est incluse dans la voiture. Et l'année d'après, c'est en simple, en faisant une révision du véhicule, vous activez une année supplémentaire et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est pour cette partie ici. Donc pour ma part, je laisse sur l'ordinateur de bord, parce que là on a aussi la pression des pneumatiques. Et ici, j'ai le total cumulé. J'ai aussi, depuis le dernier démarrage, donc ça fait 2h30 que je roule, et depuis la dernière charge. Donc depuis la dernière charge, 17,4 kW. Donc attention, j'ai fait pas mal d'essais, de tests, etc. Donc c'est pas du tout représentatif. Voilà. Bien sûr, mode, les modes de conduite, elles sont à sélectionner sur l'écran. Donc ça, je vous ferai une autre vidéo là-dessus. Et le KERS, donc une fois que vous l'avez réglé, il reste sur le réglage effectué. D'habitude, à chaque fois qu'on éteint le véhicule et qu'on le rallume, il se met en mode 2, c'est-à-dire une régénération moyenne. Alors que là, moi, j'ai réglé en régénération 3, qui est la plus grosse régénération. Donc le 3, et maintenant, à chaque fois qu'on éteint et qu'on rallume le véhicule, il reste sur 3. Donc ça déjà c'est super bien, c'était quelque chose que les utilisateurs de MG n'arrêtaient pas de réclamer, etc. Et là ça a été corrigé. Voilà, donc pour la partie de l'habitacle, voilà ça donne ça. Les Komodo, ils ont aussi changé, donc mode éclairage automatique pour les phares. Donc vous avez ici une molette. Alors, je vais essayer de faire enregistrer les deux parce que vous allez voir ici en haut, ça va s'afficher. Donc, si je mets ici, vous voyez, mode auto désactivé. Si je mets ici, c'est les lumières tout au bout. Au milieu, que les veilleuses. Et ici, on est en mode activé. Voilà, là, on est en mode automatique activé. Malheureusement, sur le Komodo, des essuie-glaces, le mode automatique a disparu sur la version Luxury. Et oui, parce qu'on est toujours dans la version Luxury. Et on avait un mode automatique jusqu'à présent, mais là, sur la MG4, vous voyez, le mode automatique a disparu. Donc, tout est devenu manuel. Et ici, vous avez le réglage de temporisateur des essuie-glaces. C'est-à-dire que quand vous mettez ici, en intermittent, ici, vous pouvez régler la durée de l'intermittence. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est rapide. Et là-bas, c'est moins rapide. Donc, je l'éteins, ça sert à rien. Donc ça aussi, c'est dommage. On a perdu une fonction qu'il y avait et qu'il n'y a plus. Voilà, donc, en gros, l'essuie-glace arrière, le détecteur de pluie qu'on a perdu, le toit panoramique, et puis, je crois que c'est tout. Faudrait que je me repenche sur mon EHS pour voir s'il n'y a pas d'autre chose. Mais je trouve que ça fait déjà beaucoup. Après, est-ce que le prix a permis de baisser vraiment le prix? Malheureusement, on ne le sait pas. Est-ce que ça fait gagner du poids? Ouais, le toit panoramique à la rigueur, oui, ça fait gagner beaucoup de poids et du coup la voiture fait beaucoup plus de kilomètres. Ça, je veux bien l'accorder, je veux bien l'accepter. Mais cependant, il aurait pu être proposé en standard et en confort sans le toit panoramique et en version luxury avec le toit panoramique.
ça aurait pu se passer comme ça. Voilà, boîte à gants donc éclairée à LED. Voilà, c'est une petite boîte à gants qui est comme les autres MG. Hein. Donc ceux qui ont déjà une voiture MG, vous serez pas dépaysés par le modèle. Chargeur à induction ici pour les téléphones compatibles, bien sûr. Le téléphone ne tombe pas. J'ai fait une conduite avec mon téléphone posé dessus. Vous pouvez rouler, le téléphone ne tombe pas, sauf si vous faites une conduite de port. Donc pire que la conduite sportive, voilà. Mais sinon ça bouge pas. En dessous, on a USB normal pour le CarPlay aussi et Android Auto, USB C. Donc ça aussi c'est nouveau et une prise 12 volts. Donc pour une glacière, etc. En plein milieu. Voilà. Donc pour les gros fumeurs, vous pouvez transformer ça en allume-cigare. Vous allez dans une casse, vous prenez un allume-cigare. Et en fait, vous prenez le modèle, vous le mettez sur la voiture que vous avez vue. Et s'il rentre dedans sans problème, ça veut dire que vous avez la bonne taille d'allume-cigare. Vous pouvez le prendre et vous le mettrez ici. Ça vous permettra d'allumer vos cigarettes. Voilà. Donc ça, la prise 12 volts, elle y est. Pour la glacière ou autre. Les porte-gobelets qui sont ajustables. Parce que des fois, on a des gobelets ou des canettes qui sont un peu plus fines que d'habitude. Donc ici, l'avantage, c'est que vous voyez, c'est rétractable, ça rentre. Et là, on peut mettre toute taille, pratiquement, même les petites bouteilles qui sont un peu larges, on peut les mettre dedans. J'ai fait la démonstration et ça fonctionne. Ici, on a un rideau sur lequel on peut mettre plein de petites choses, pas forcément hautes, mais à l'abri des regards. Voilà. Un petit filet ici, comme vous pouvez voir, pour mettre par exemple les cartes de recharge. Pour recharger sur les bornes électriques. Donc on a toute une collection de cartes, charge map et compagnie, vous mettez dessus. Après on a une boîte à gants ici, une boîte à gants qui donne, qui a une profondeur intéressante. Bon là elle est un peu poussiéreuse mais peu importe, ce qui compte c'est que ça fasse son job. Ici, contrairement à d'autres versions, ce n'est pas réglable. Vous pouvez tirer dessus, ça n'avance pas, ça ne recule pas. C'est cette hauteur-là et c'est cette longueur. Il n'y aura pas plus. Perso, elle me convient parfaitement, sans aucun problème. Voilà, et même aussi pour le passager. Au niveau du siège passager, là, vous voyez, j'ai reculé quand même pas mal le siège. Et on a vraiment beaucoup d'espace à l'avant. Après, si on veut faire un petit peu plus attention pour ceux qui sont à l'arrière, il suffit tout simplement de avancer un peu le siège, il reste encore de la place. Moi je suis dans une bonne position de conduite. Ah, ici, quand vous voyez une lumière, c'est tout simplement le détecteur de somnolence. Ça veut dire que vous allez avoir des bips et des rappels visuels pour dire qu'il faut être attentif à la route, etc. Enfin bref, honnêtement ça c'est un gadget, ils auraient pu le supprimer, ça sert à rien. Après, est-ce que c'est une obligation européenne? Ça c'est une autre histoire. Mais ça par exemple c'est une nouveauté et ça on aurait pu s'en passer. Voilà, bah écoutez, je vais faire plein de vidéos justement sur la MG, le fonctionnement, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner justement pour avoir la suite. Sur ce, bonne journée et à bientôt.